ring, mais plutôt sur un champ de bataille. Surnommé Ali la Pointe, Ali Ammar est un mujahed qui a vu le jour à Meliana le 14 mai 1930. Déjà initié par un père adhérent au Parti du peuple algérien, Ali Lapointe devient un grand résistant et opposant au colonialisme français. À 13 ans, il connaît déjà les affres de la prison, où il découvre la face cachée des atrocités qu'endurait le peuple algérien. Il adhère à la lutte de libération au sein du groupe des Fidaïyines pour l'indépendance de l'Algérie et participe ainsi à de nombreuses opérations menées contre l'armée française. C'était le mois d'avril 56. Ou la deuxième point, qui est l'internement qui est au Habat, le 31 décembre 56, rue de la rue de la Grèce, de Mhamtchou. Il est né pour mourir. Héros national, Ali Lapointe s'est distingué par sa bravoure. Il a mené, aux côtés de nombreux de ses compagnons de lutte, des actions spectaculaires, notamment lors de la bataille d'Alger. Il tombe au champ d'honneur aux côtés de Hassiba Bembouali, Talb Abdelrahman, Mahmoud Bouhamidi et le petit Omar, le 8 octobre 1957. Il avait 27 ans.